Val-d'Oise Habitat s'engage au quotidien pour le bien-être des 70 000 locataires sur le patrimoine. Les 356 collaborateurs œuvrent quotidiennement au bien-être des locataires. Val-d'Oise Habitat gère un patrimoine de plus de 20 000 logements. En 2018, Val-d'Oise Habitat a investi 104,5 millions d'euros, soit près de 1 000 logements réhabilités et 357 logements neufs livrés. Asnières-sur-Oise. 36 nouveaux logements et 600 m² de commerce livrés en juillet 2018 pour un coût de près de 6 millions d'euros. J'habite la résidence depuis un an, au mois de juillet. Au niveau de l'appartement, c'est bien insonorisé parce qu'on n'entend absolument pas les voisins. L'entretien est bien, il y a les femmes de ménage deux fois par semaine. Les gens qui n'ont pas de voiture, il y a le salon de coiffure, il y a le cabinet médical. Il n'y a que du positif. Mériel, 36 nouveaux logements livrés en juillet 2019 pour un coût de près de 6 millions d'euros. Aubonne. Les Duretères, réhabilitation de 349 logements et résidentialisation pour un coût de près de 12 millions d'euros. Alors je suis Henri, je suis résident depuis 20 ans à la résidence Les Duretères et donc on vit dans un cadre agréable depuis la réhabilitation. La résidence a été sécurisée aussi. Les gardiens sont sympas, ils font du bon boulot. Depuis cette réhabilitation, c'est vrai que dans la résidence, je trouve qu'il fait bon vivre. Esthétiquement, c'est joli et puis tout le monde est content, quoi. Les gens se sentent plus rassurés, c'est sécurisé. Bon, les résidents sont très satisfaits de l'investissement qui a été fait par Val-d'Oise Habitat. En 2020, les travaux vont se poursuivre avec la réfection des parties communes et des commerces. Persan, Le Village, travaux de réhabilitation thermique de 1058 logements pour un investissement de 45 millions d'euros. Démarrage des travaux horizon 2021. Cergy, La Croix Saint-Sylver, réhabilitation de 156 logements et résidentialisation pour un investissement de près de 5 millions d'euros. Livraison prévue septembre 2021. Montsou, 147 nouveaux logements dont 6 en accession pour un coût de près de 24 millions d'euros. Livraison prévue novembre 2019. D'ici 2022, la moitié du patrimoine sera réhabilité, soit 10 000 logements concernés pour un montant d'investissement de près de 350 millions d'euros. 500 logements seront livrés pour un montant d'investissement de 114 millions d'euros. Les équipes de Val-d'Oise Habitat s'engagent au quotidien au service des locataires et des territoires.